Hello, c'est HR, votre chroniqueur. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un film français. Plus précisément, le nouveau film mettant en vedette Vincent Lindon. Film qui a pour titre Le Choix. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, pensez à le faire. Pensez à mettre le petit pouce si vous avez aimé la vidéo. Pensez à la petite cloche pour les notifs. Et surtout, pensez à mettre en commentaire ce que vous avez aimé ou pas aimé dans ce film. Let's go! C'était juste une fois. J'ai commis une erreur, une seule erreur. Alors je dois réparer. Alors le pitch de base de ce film est assez simple. Nous avons un responsable de chantier dans le milieu de la construction qui, à la suite d'un coup de téléphone, décide de tout plaquer pour rejoindre une femme qui va accoucher. Oui, je vous l'ai fait de manière très succincte. Mais c'est vraiment le pitch de base de ce film. Pratiquement tout le film se déroule dans le véhicule du personnage interprété par Vincent Lindon. Alors tout d'abord, sachez que ce film est en fait un remake, une adaptation du film Locke porté par l'acteur Tom Hardy. Hello. Ce film Locke était sorti en 2013. C'était une production américaine et anglaise réalisée donc par Steven Knight. Steven Knight qui fait partie des producteurs de ce remake français. Oui, je tiens à le préciser, car nous avons l'habitude d'avoir des films français repris pour sortir aux États-Unis. Et bien là, c'est l'inverse. Ceci dit, il y a eu quelques petites différences scénaristiques qui apportent une plus-value pour la French version. Alors je vous le dis tout de suite. Cela ne sert à rien de faire la comparaison entre Locke et Le Choix. Les deux films sont bons, les deux films sont portés par des acteurs de talent. Tom Hardy avait été exceptionnel dans Locke et sincèrement, Vincent Lindon dans ce film Le Choix est exceptionnel. J'estime que sur l'ensemble de sa carrière, c'est sa meilleure interprétation. Et donc, les deux films, même si le postulat de base est identique, il y a pas mal de choses qui changent par rapport aux lignes scénaristiques. La grande force de ce film réside essentiellement dans la transmission des émotions par le jeu d'acteur. Car au final, tous les autres intervenants que l'on entend par le biais du téléphone, passant dans les haut-parleurs du véhicule conduit par le personnage interprété par Vincent Lindon, on ne les voit jamais, on ne les voit pas. On les entend, on ne les voit pas. De ce fait, la seule personne que nous voyons du début jusqu'à la fin, enfin oui, au tout début on le voit marcher dans un chantier, mais bon, mais principalement, la seule personne que nous voyons dans ce film est le personnage Joseph Cross, interprété par Vincent Lindon. Et celui-ci met totalement en avant sa qualité d'acteur. Il est transfiguré par son rôle et toutes les émotions qu'il ressent sont mises en exergue. Même lorsqu'il parle de manière imagée à son père décédé. Alors ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous spoiler sur le final de ce film. Mais la tension est constante. On se demande jusqu'où ça va aller, car dans le fond, il reste professionnel par rapport à son métier et il est tiraillé entre sa vie familiale et la naissance de cet enfant hors mariage. Ce film est un véritable thriller sur la masculinité avec une véritable étude de l'âme humaine. Outre le fait du huis clos au cœur d'une Renault, il y a la naissance d'un véritable drame sociétal. Au fur et à mesure que nous avançons dans le film, il y a la passation de tous les stades émotionnels au cœur d'un couple. Comment tu as parlé à ta femme, tu lui as dit. L'histoire est donc bonne, l'histoire est saisissante. Elle est véritablement construite comme un puzzle où l'on découvre un homme propre sur le devant de la scène qui a parfaitement réussi sa vie, qui est en train de tout déconstruire à cause d'une erreur un certain soir et essentiellement à cause d'un père qui n'était pas là. J'ai commis une erreur, une seule erreur. Alors je dois réparer. Alors au final, naturellement, c'est un film que je vous invite à découvrir. Surtout si vous ne connaissez pas Locke avec Tom Hardy. On est vraiment dans un film de la même dimension et la qualité d'acteur de Vincent Lindon est vraiment topissime dans ce film. Je rajouterai que le simple fait de découvrir la performance de Vincent Lindon est un motif pour découvrir ce film sur grand écran. Il est actuellement au cinéma, il ne vous reste plus qu'à aller le voir.